pour Warren, pour Simon maintenant. Simon refile à Harvey. Harvey, belle remise pour Warren là, sur sa gauche, qui remet Yacenza. Yacenza s'en va, son tir, bel arrêt de la mitaine de Steinman. Et le jeu s'arrête. 13 minutes à faire à la première période. On va passer une... avec les freins. Tire de loin. C'est plutôt un rejet derrière le filet. Bourque reprend. Passe à Lavigne. Lavigne tente de la mettre devant la rose. Il est seul devant le gardien. Oh. Et encore une fois, le sifflet qui se fait entendre rapidement. La rondelle qui était libre à la gauche du gardien. Le gardien qui n'avait pas pris pour jouer le week-end dernier ensemble. Mais avec Justin Larose et l'échange de rondelles s'est fait rapidement derrière le filet. Rondelle qui est déposée. Là, c'est la plus par l'éthique. Prichepov s'avance, cercle droit, son tir, arrêt du gardien, saisit le retour, remet dans l'enclave, voit cette avancée, tir, arrêt, la rondelle qui est bon du centre, à bout portant, Gorionov qui se fait voler un but. Oh! Oh là, Steinman déjà. Mais là, on n'a pas marqué. Il faut marquer, oui. Ouais. Collard. Passe dans l'aile pour Muller, c'est bien fait. Muller, remise devant, voilà le but. Superbe but de Vincent Collard. Une longue passe à la gauche de Darvaux et tir dans la partie supérieure. C'est 1-0 les Wildcats. Ouais, sur leur deuxième tir au but seulement. Superbe passe de Miles Muller. Et je t'avais dit avant le match, Pascal, qu'on jouait beaucoup la largeur de la patinoire chez les Wildcats. C'est pas mal ce qu'on a fait sur la séquence. 57 avantages numériques à l'adversaire sur la route. Discipline. Les enjeux rapportés par les tirs. Yacenza s'avance, c'est dangereux. Tir, arrête du gardien, le retour devant. Qu'est-ce qu'on vient de rater comme chance? Et Gorionov en a raté au moins 5 ou 6 depuis le début du match. Il avait un filet ouvert. C'est pas un mauvais jeu, là. On va revoir la reprise, Mathieu, là. Gorionov à la rondelle, près de lui, avec un filet ouvert, suite au lancer de Yacenza. Et regarde, il ramène la rondelle sur sa droite pour Prichepov. C'était soulevé un peu, mais Gorionov reprend. Passe à Prichepov. Prichepov dans le coin pour Gorionov. À la ligne des buts. Remet devant. Rondelle qui dévie. Voilà le but. Et goal! Gorionov! 5 matchs de suite avec un but. Les Tigres et l'égalité, c'est 1-1. Et là, quand tu rates des chances comme ça, c'est souvent un but de la sorte qui vient. Il a tenté une remise à l'embouchure du filet. Ça a dévié sur. Qui menace pour un tir bloqué. Ça permet à Larose de remettre à Warren. Warren s'avance à 1 contre 1 devant Morin. Elle pique les freins, remet devant le filet. Rondelle bon de centre, tir. Arrêt de Steinman qui encore une fois vient sauver les siens. Larose et Lavigne viennent de rater de belles chances. Ah, mais offensivement, on était dit à Steinman qui arrête à peu près tout. Donc, c'est rendu à Larose. Il a le signal. Lavigne s'amène à la gauche du gardien. Steinman quitte. Son demi-siècle, Lavigne devant sortir. Voilà le but! C'est la partie supérieure du côté de la mitaine. Et c'est un but, il se crante désavantage numérique. Sébastien a bien contrôlé la rondelle, regardait le gardien. Et là, on demande des explications du côté des Wildcats. Les Wildcats qui rejettent derrière le filet de Darvaux avec beaucoup de pression. Ouais. Darvaux dégage au long de la rampe. C'est Henneberry qui a le disque entre ses. Point de tir de loin, bloqué, devant, tir, voilà le but. Un retour de lancer. Et Auger vient marquer, c'est 2-2. Gros début de période de la part des Wildcats là, dans les deux dernières présences. Les Tigres étaient en problème en zone défensive et ces derniers créent. On va prendre au centre, Tommy Cormier, les mises en jeu. Devant, Somme. Jeu fait face à Vincent Collard. Les enjeux remportés par les Tigres. C'est P.O. Roy à la pointe qui a la rondelle. P.O. Roy sur sa droite pour Henneberry. Henneberry, son tir. Et voilà le but. Justin Larose qui a semblé faire dévier devant le filet. Et c'est 3-2 les Tigres. Ça n'a pas été long. Et lorsque j'ai vu Henneberry, son positionnement à la mise en jeu, j'ai eu la réflexion dans ma tête. S'il fallait qu'on gagne la mise en jeu, c'est sûr qu'il y a un jeu préparé. Rapidement prendre les devants 3-2. Et c'est ce qui expliquerait pourquoi Steinman a été déjoué comme ça. Le tir de Henneberry. Ouais, s'en allait cueillir de la main. On va peut-être mieux voir d'ici, là. Oui. Bourque qui vient s'en mêler, là. Dubourg, c'est Yacenza, voilà Morin. Morin sur sa droite, tire sur réception, voilà le but. Une rondelle qui a échappé à Darvaux.
But inscrit en avantage numérique. 6:41 à faire à la troisième. C'est l'égalité à nouveau, 3-3. Ouais, il ne restait que 5 secondes à faire à la pénalité de Goriunov. On est revenu à la case départ. Engagé directement sur Morin, qui a alimenté son coéquipier, qui vient battre Darvaux d'un tir sur réception. Darvaux a échappé. Ouais. Il s'en veut. Ouais. Kingsley à la ligne des buts. Kingsley derrière le filet. Kingsley remet devant. Prichepov, une feinte. Prichepov échappe la rondelle. Prichepov vient reprendre. Cercle droit, passe à la pointe. Pirouat tire de loin. Arrête du gardien. Et Pellerin voilà le but. Il est récompensé. Maxime Pellerin. C'est 4-3 les Tigres. Max Pellerin joue tout un match. Et avec moins de 2 minutes à faire, il est récompensé. Il hérite d'un retour de lancer à l'embouchure du filet. Cette fois-ci sur sa palette. Et les Tigres reprennent les devants. Prichepov, entre autres. Et Pirouat, lorsqu'il a reçu la rondelle à la ligne bleue, lui a envoyé ça au filet. On essaie des jeux. Parfois, on n'a pas réussi à déjouer le gardien de but. Une rondelle envoyée au filet. Il y avait peu d'espace pour Maxime Pellerin qui marque un gros but. Un peu plus d'une minute à faire. Les enjeux remportés par les Tigres. Aguilar remet au centre. On fait dévier la rondelle. Zone adverse.